Ouais. Donc j'imagine que le mais de mes cheveux dans 28, c'était compris dans le fait que le signe de sécher était dirigé vers ma tête. Ouais, probablement. Mais je me demande si on peut ajouter ce qu'on peut faire. Je suis un peu étonné. Vous allez passer à 29 là? C'est ça? Non, sauf si vous avez... C'est que je ne comprends pas la situation en fait, d'aplatir une toile. Qu'est-ce que ça veut dire? Toile et tissu? Textile? Mais c'est déjà plat. Bah, on imagine que c'est quoi le verbe en anglais? En fait, là, j'ai trouvé que l'exemple prototypique de la donnée était assez mal, alors j'ai pris un autre de ces proxies. Je comprends pas, parce que si, on peut repasser s'il y a des plis, mais le tissu, c'est déjà plat, enfin, de façon typique. Le tissu est flat, and il flatten le tissu. Flatten. The fabric. Fabric. Ça me semble un peu étrange. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut passer à une papier. Si tu veux repasser, ça marche pas. La pièce, j'ai fini. La pièce, c'est pas la pièce. Elle repasse. On peut passer d'une papier. Papier, papier froissé. Elle est venue faire pour. Mais même pour vous, tu vas là. Tu vas là. C'est un tableau, hein? Pas du tout. Non, c'est le tissu. Tissu. Le tissu. Oui. Le tissu. Comment est-ce qu'on dit? On n'est pas tout là, par exemple. Lisse, non? Vade, vous y êtes. Aplanir, par exemple, pas aplatir. Ouais. Aplatir, c'est quand on fait perdre du volume, je sais pas. C'est vrai que dans le dictionnaire, on a écrit que c'était plutôt utilisé pour le fer. Aplatir. Mais on peut sauter sur ce décor, puisqu'il est problématique. On saute. Et on va à 30. Et front. 31 et 31, la chemise est accrochée au crochet. Là, il a fait 32. Ok, c'est bien. Il y a eu le classificateur là. Classificateur. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas eu pour le coiffeur? Peut-être parce que ça c'est nécessairement que la coiffeur. Peut-être quand même on fait 29 seulement pour voir ce qu'il donne. Ouais. Ok, maintenant. 29, la toile est venue.
l'impression que c'est la même jour, c'est formaté. Et ok, 31 maintenant, 31. La chemise est accrochée au crochet. La porte de voir, elle est accrochée. Maintenant, 32, les tailleurs a accroché la chemise au prochain. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de verbe accroché ni dans 31 ni dans 32. Il y a accroché. C'est soit mettre. Okay. Ouais, il y a mettre, mais dans 31 c'est juste la chemise et sur le crochet. C'était pas un bon exemple. Je pense qu'on a vu ça aussi avant avec d'autres exemples, que les situations des états, souvent ils ne sont pas rendus par le verbe en fait. D'ailleurs, on va dire que c'est difficile à dire qu'il y a vraiment des verbes dans les LSF. Bien sûr, mais là, la question c'est même, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond au verbe français dans la phrase dans LSF? Il y a les crochets. Il n'y a rien en fait. Donc la démonstration est impossible. Ce qu'on essaie de voir, c'est s'il y a des alternances intransitives, causatives. Et là, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même, parce que dans 31, en fait, le prédicat ici, c'est le crochet. C'est ouais. Qu'on peut penser que en fait, c'est accroché au crochet et rendu comme crochet, comme cette signe. D'accord. Et là, on voit quand même qu'une fois, c'est non ça, alors c'est mettre crochet. C'est pas logique parce que c'est la même erreur qu'on l'a autrement qu'on a vu. Voici là-bas, il y a eu un signe d'émotion ou de mettre quelque chose, et après on revient à ce qu'il y avait avant. C'est vrai que c'est pas des exemples typiques de causatives, mais. Dans un sens, en un sens, on pourrait dire que mettre. C'est un verbe causatif qui contient le verbe être, qui est faire être quelque part. C'est vrai. Comme il n'y a pas de verbe être en LSF. C'est des choses qui sont complètement invisibles là, pour nous. Oui, c'est des relations sémantiques d'état et mettre dans l'état. Mais je ne sais pas d'ailleurs ce que vous recherchez, vous, Ariel. Moi, je serais. Heureux, par exemple, si on avait une paire avec un verbe incoatif, disons, anticausatif, et qu'on reconnaîtrait l'anticausatif plus un causatif, et on aurait une belle paire, comme ça, minimale. Et